Alors aujourd'hui, nouveau test sur le jeu Formation Soccer 2002, sorti justement en 2002 sur Game Boy Advance, édité par Spike. Alors, j'avais fait un petit break avec ce petit jeu parce que pour la simple bonne raison que j'avais envie de m'intéresser à autre chose. Donc on va reprendre tranquillement d'autres rencontres. Et cette fois-ci, on va s'intéresser tout de suite à un petit match 100% européen. Alors l'autre fois on avait assisté à un match américain entre, enfin 100% américain entre le Paraguay et le Costa Rica. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui? Alors, ouais. Ah tiens, on va se faire un petit match 100% européen de l'Est, opposant l'équipe nationale de la Pologne à celle... Bon là il n'y a pas... bah tiens, l'Ukraine, tiens, pourquoi pas. Allez, va pour l'Ukraine. Allez, et c'est parti. Ce petit match 100% est-européen entre l'équipe nationale de l'Ukraine et l'équipe nationale de la Pologne. Alors les Polonais jouent en blanc et rouge. Face à eux, l'équipe nationale de l'Ukraine qui joue en jaune et bleu. Ouh, attention, attention, attention. Et là, on démarre super fort parce que là, pour l'instant, là, les Ukrainiens attaquent directement. Mais c'est sans compter sur... Les Polonais qui ont quand même une sacrée bonne défense. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans polonais et ukrainiens. Surtout les Ukrainiens. Kerenko. Somiek. Shevchenko. Est-ce que... Non, non, dévié. Ok. Bon, visiblement, on va assister à un autre match qui va être serré. Quand je pense que j'avais lancé quelques matchs sur le jeu FIFA 96. Et les matchs étaient terriblement serrés, attention, wow, magnifique arrêt du gardien. Allez, c'est parti. Récupération polonaise. Sobieski. Repris par Rebrov. Gergak. Attention, est-ce que non, ça a percuté le poteau. Oh, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Sauvé in extremis par un poteau, mais c'est pas fini, parce que là, les Ukrainiens ont de nouveau le ballon. Est-ce que non, encore un autre arrêt magistral du gardien. Ok. J'ai l'impression qu'on va assister à un match totalement tonitruant. Kavreski. Encore un autre arrêt du gardien polonais Dudek. Lewandowski, repris par Rebrov. Vorobiev. Smelinski. Smelinski. Et non, encore un autre arrêt magistral du gardien. Et ben GG. Et c'est pas fini. Allez, on continue. Pour l'instant, on se dispute la... Possession du ballon. Lewandowski. Lewandowski, encore un autre arrêt magistral. Chokovski, le gardien ukrainien. Attention, est-ce que... Attention. Oui, c'est bon, il l'a repris. Ah, ça. Touche pour les Polonais. Repris une nouvelle fois par les Polonais. Repris par les Ukrainiens. Rebrov. Rebrov. Qui passe à Karenko, repris par Sebeski, Lewandowski, Kachka. Est-ce que... Non, non, encore raté. Ouh là là, ça va être un match magistral. Je sais pas pourquoi, mais ça, il va être magistral ce match. Est-ce que... Oh là là, ils ont vraiment forcé le verrou, les Ukrainiens. Hein, ils ont vraiment forcé le verrou. Et encore un autre arrêt du gardien polonais. Ensuite, on continue. Toujours 0-0 entre la Pologne et l'Ukraine. Dans ce duel 100%
voisin et qui plus est est-européen, si je puis dire. Shevchenko. Shevchenko. Et touche pour les Ukrainiens. Repris pas. Oui, une nouvelle fois par les Ukrainiens. Doletsch. Sibieski. Rebrov. Repris une nouvelle fois par les Polonais alors qu'on est dans le dernier quart d'heure de cette fin de première mi-temps. Et toujours 0-0 entre les Ukrainiens et les Polonais. Ah, les Ukrainiens qui forcent. Quant aux Polonais, ils forcent aussi, mais bon. Hein. Ils se font un petit peu limite malmenés. Est-ce que non, encore un autre arrêt magistral du gardien ukrainien Chakovski. Et c'est la mi-temps. Eh ben, c'était vraiment ce qu'on peut appeler mais, une première mi-temps, mais totalement mais serrée à bloc. Hein. Franchement, c'était terriblement serré avec deux équipes qui sont littéralement mais gonflées à bloc, quoi. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas photo. C'est serré à mort. Voilà donc, on se sépare un petit moment pour une petite page de pub et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match. Ici Varsovie, en Pologne, à vous Paris. Et nous sommes de retour ici à Varsovie, en Pologne, pour suivre la deuxième mi-temps de ce match. Alors je vous rappelle. Donc je vous rappelle le score 0-0 entre la Pologne et l'Ukraine. Pour l'instant, aucune des deux équipes n'a ouvert le score. Attention, est-ce que non, encore, c'est encore manqué. Le ballon est de nouveau récupéré par les Ukrainiens. Est-ce que non, c'est bon, ils l'ont repris. Sibieski, Rebrov, repris par Lewandowski, Mniazek. Lewandowski, repris par Patov. Pour les attention, tentative, non, ça passe juste. Oh, c'était pas passé loin. Ce n'était pas passé loin. Le voilà, le fameux but ukrainien. Bon, but signé. Bon, je sais. J'ai pas noté son nom. Je pense que ça va être Shevchenko qui a ouvert le score. Donc 1-0 pour l'Ukraine. Ah, je savais que c'était un match serré, mais pas à ce point-là. Mais bon. Allez. Repris par les Ukrainiens. Rebrov. Rebrov. Repris. Oui, c'est et deuxième but ukrainien. Et là, mesdames et messieurs, on assiste à ce qu'on peut appeler mais une belle détermination de la sélection ukrainienne. Qui a réussi à trouver, à bien comprendre le jeu polonais. Et c'est reparti. Alors repris une fois par les Polonais. Sibieski, repris par Patov. Gauchkine. Lewandowski. Mizewski. Repris une nouvelle fois par les Ukrainiens. Zagowski, Zatov, Lewandowski du côté polonais. Allez, on continue, mesdames et messieurs, on continue. Oui, là, le ballon est récupéré par les Polonais. C'est bien. Vorobiev. Rebrov! Et encore un autre arrêt magistral du gardien polonais Dudek.
Oski, repris une nouvelle fois par les Ukrainiens. Patov. Oh là 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 là, c'était. Je sais pas ce qui s'est passé, c'était violent, il a réussi à arriver. Et le ballon est de nouveau capté par le gardien polonais. Allez, on reprend, oui, le ballon est de nouveau pour les Polonais. Rebrov, repris une nouvelle fois par les Polonais. Mizetski. Allez, on continue, on continue, on continue à progresser. Du côté ukrainien, on progresse. Non, pas cette fois. Ah, c'est. Ah, ils sont déterminés, les Ukrainiens. Ils sont déterminés. Et encore un autre arrêt du gardien ukrainien Chavosky. Chavosky qui a apporté aussi les couleurs du club du Dynamo Kiev. Mais petite que Shevchenko. Lewandowski. Repris par Patov. Zatov. Shevchenko, est-ce que non, c'est repris par les Polonais. Si vous nous rejoignez, non seulement on entre dans le dernier quart d'heure de cette fin de match, mais en plus l'Ukraine mène au score 2 à 0 face à la Pologne. Est-ce que non, on n'a pas assez. Ça suffira pas. Attention, ouh, joli arrêt du gardien. Et les Polonais qui malencontreusement vont devoir s'incliner. Alors qu'on entre dans les dernières minutes de ce match. Et c'est terminé. Et ben victoire, belle victoire donc des Ukrainiens qui l'emportent face à des Polonais qui ont tout gagné et qui ont tout essayé. Enfin, qui ont tout tenté, qui ont tout essayé, mais en vain. Mais bon, on ne pourra pas trop leur en vouloir, parce que l'Ukraine était vraiment ce qu'on peut appeler dans un grand jour. En tout cas, belle victoire de la sélection ukrainienne qui l'emporte 2 à 0 face à la Pologne. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était donc Formation Soccer 2002 sur Game Boy Advance. Un jeu de foot, ma foi, assez bien, assez cocasse, assez potable, à tester une fois dans sa vie. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Alors je vous rappelle le score, encore une fois, victoire des Ukrainiens face aux Polonais 2 à 0. Si la vidéo vous a plu, si vous comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains tests ainsi que de prochains matchs. Ici, Varsovie, en Pologne, à vous Paris. Oh et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce